une apparition remarquée. Le 29 janvier dernier, le Kensington Palace annonçait une grande nouvelle concernant Kate Middleton. Après 2 semaines d'hospitalisation pour une opération au niveau de l'abdomen, la princesse de Galles avait en effet pu retrouver son domicile. La princesse de Galles est rentrée chez elle à Windsor pour poursuivre sa convalescence. Elle progresse bien, avait écrit le palais dans un communiqué publié sur Instagram. Et d'ajouter, le prince et la princesse souhaitent remercier chaleureusement toute l'équipe de la London Clinic, en particulier le personnel infirmier dévoué, pour les soins prodigués. La famille royale reste reconnaissante pour les vœux qu'elle a reçus du monde entier. Malgré sa période de convalescence, la duchesse de Cambridge a tenu à célébrer un événement qui lui tient à cœur. Comme l'a révélé le Daily Mail, ce mercredi 31 janvier, la duchesse de Cambridge est apparue dans un montage vidéo pour fêter le premier anniversaire de Shippingers. Pour rappel, il s'agit d'une campagne lancée par la princesse de Galles elle-même en collaboration avec The Royal Foundation Centre for Early Childhood pour sensibiliser le public sur l'importance de l'éducation pendant la petite enfance. Quelle année s'est écoulée depuis le lancement de hashtag ShyPingu? Notre campagne met en lumière l'importance unique de la petite enfance, a-t-elle déclaré dans la vidéo, pour accompagner des clips d'elle auprès des plus jeunes. Kate Middleton, son évolution beauté des années 2000 à aujourd'hui. Kate Middleton, j'ai à cœur de faire une différence positive dans cette vidéo, qui a été tournée et montée bien avant ses soucis de santé. Kate Middleton a notamment expliqué les raisons qui l'ont poussée à s'engager pour les enfants. Les gens me demandent souvent pourquoi je consacre mon temps à la petite enfance. La réponse est que j'ai à cœur de faire une différence positive en aidant les plus vulnérables et en soutenant ceux qui en ont le plus besoin, a-t-elle indiqué avec beaucoup de bienveillance. Et de conclure, parce que l'avenir de nos enfants est quelque chose que nous construisons tous ensemble grâce aux actions que chacun d'entre nous entreprend chaque jour. Parce que si nous parvenons à créer une société qui voit l'enfant dans chaque adulte et l'adulte dans chaque enfant, nous commencerons enfin à la changer pour le mieux. Article écrit en collaboration avec 6 Media. Crédit photo, Backgrid UK. Just